Bonjour, bonsoir. Alors, nous allons commencer ce petit live par les règles de sécurité que certains n'ont pas l'air de comprendre. Donc, pour se protéger, des gestes simples à adopter. Premièrement, se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique. J'articule bien pour que tout le monde comprenne. Deuxièmement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Regardez, le coude se situe ici, vous voyez, entre la jonction de l'avant-bras et du bras. Hein, le coude est ici et vous savez très bien mettre votre coude à votre nez quand vous faites ce qu'on appelle le dab. Troisièmement, se moucher dans un mouchoir à usage unique, donc pas en tissu, et le jeter dans une poubelle. Quatrièmement, éviter de se tripatouiller le visage. Cinquièmement, respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les autres. Si vous n'avez aucune notion des distances, il vous suffit d'écarter les jambes le plus possible et vous avez à peu près 1 mètre. Sixièmement, saluez vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues et compagnie sans se serrer la main et sans embrasser les gens, sans toucher l'autre d'une quelconque façon. Enfin, et septièmement, en complément de ces gestes, veuillez porter un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Voilà Pierre, tu as ta réponse pour le métro. Voici ce qu'on appelle le masque chirurgical, disponible en pharmacie et sûrement ailleurs. Le masque se comporte d'une partie là plus souple et ici une partie plus rigide. Les deux lanières ici présentes servent à être mises sur les oreilles. Voilà, comme ceci. Même si vous avez des lunettes, vous pouvez les mettre sans problème parce qu'elles ne sont pas épaisses. Ensuite, tirez le masque pour le déplier et mettez la partie plus dure sur votre nez. Pincez afin que cela prenne la forme de votre museau. Si vous avez des lunettes, comme moi, veuillez les mettre sur le masque afin de ne pas avoir de bouée. Et voilà, vous êtes parés pour la journée, c'est pas compliqué, bande de Ce petit message a été fait lors de mon dernier live. Si vous ne risquez rien personnellement, merci de faire attention aux autres et arrêtez d'être con et égoïste.